Hello ma queen, j'espère que tu vas bien. Ici au Drenin-Kam, la meilleure dans les ateliers de confection de perruques, les créations de marques de perruques. J'aide les femmes à faire de ce business un gagne-pain quotidien. Et aujourd'hui, je suis en train de montrer à notre cliente la fixation de prix qui est le module le plus important, je le dis bien, dans la vente de perruques. Si tu ne maîtrises pas la fixation de prix, comment mettre tes prix, tu ne vas pas gagner de l'argent. Et tu seras frustré de ce business-là parce que rien ne te rapporte. C'est là où beaucoup échouent en fait. Ils oublient de mettre les prix de telle façon qu'eux aussi ils ont un bénéfice dans le travail qu'ils sont en train de faire tous les jours. Avec les heures de travail qu'ils font sur des perruques, ils n'arrivent pas à se payer. Avec l'achat des perruques chez le fournisseur, avec la douane, avec le transport, ils n'arrivent pas à calculer comment fixer leur prix. J'étais en train de montrer ça en pratiquement une heure de temps. Je montrais ça à ma cliente, la fixation des prix sur cinq façons, sur les différents contextes que vous voyez sur la vidéo. Tous les détails, bien sûr, c'est dans notre formation en ligne ou en présentiel. Mais là, je suis en train de lui montrer comment fixer les prix quand elle veut vendre des boules de mèche, quand elle veut vendre des perruques, quand elle veut restaurer des perruques, quand elle veut confectionner une perruque. Quand elle veut faire des styles, des colorations, quand elle veut poser une perruque, il est important de maîtriser ce domaine-là parce que ton travail doit être payé. Ton travail est très important. Et pour qu'on te paye sur ton travail, tu dois connaître, tu dois valoriser ce travail-là. J'étais en train de lui montrer qu'il est très important d'ajouter des petits éléments, des petits accessoires dans la vente de ses perruques pour, comme ça, attirer la cliente à venir continuer à prendre des perruques chez elle. Il est important de fidéliser la clientèle. Et pour ça, on les donne souvent des petits cadeaux dans les perruques, dans les paquets de perruques. Le packaging aussi est très, très important. Tout ça est imputé dans la perruque parce que ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que lorsque vous vendez une perruque, les charges reviennent à la cliente. La charge de la perruque revient à la cliente. La charge du transport revient à la cliente. La charge même des accessoires que vous mettez revient à la cliente en fait. Vous devez savoir comment faire pour manager avec cela et mettre un prix conséquent qui ne va pas aussi. Vous devez mettre un prix conséquent en fait qui ne va pas aller à l'encontre du prix déjà sur le marché. Vous connaissez vos concurrents, vous avez fait une étude de marché au préalable pour voir comment eux, ils ont fixé leur prix, les services, comment ils font, les restaurateurs de perruques, comment ils font, les ventes de perruques, comment ils vendent, comment ils détaillent cela. Il est très important de faire une étude de marché au préalable avant de fixer tout prix. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'aime beaucoup enregistrer les séances que je fais avec mes clients pour vous montrer que c'est possible de réussir dans ce business-là. Si tu es dans n'importe quel pays et tu souhaites réussir ce business-là, tu aimerais créer ta propre marque de perruques, tu aimerais connaître comment fixer des prix, tu aimerais connaître comment gagner 100% de bénéfices dans ce business-là, il est important que tu entres en contact avec nous. En ligne ou en présentiel, nous allons t'accompagner, nous allons te donner des fournisseurs. Ne manque pas. Bye!